Vous avez adhéré au satanisme. Quand j'avais 12 ans. Quand vous aviez 12 ans, quel âge avez-vous maintenant? 18 ans. Alors, durant combien de temps êtes-vous dans le satanisme? Durant 7 ans. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais des rituels, boire le sang et tuer les gens. Boire le sang? Quel sang? Le sang humain. Le sang humain. D'où est-ce que vous le trouviez? Nous tuons les gens et nous buvons leur sang. Dans vos rituels? Oui. Je vous verrai après. Allez vous mettre au fond. S'il vous plaît, Angie, mettez-vous debout. S'il vous plaît, donnez-lui le micro. Comment étiez-vous introduite dans le satanisme? J'ai été introduite à travers une amie. D'accord. Dites-nous comment cela était arrivé. Nous étions allés à une fête chez un ami et il y avait de l'alcool, la drogue et beaucoup d'autres choses. Pendant qu'on se droguait et buvait durant la fête, mon amie m'a demandé d'adhérer au satanisme. Elle m'a dit que c'était intéressant et plaisant et j'ai dit oui. D'accord, vous avez aussi trouvé que c'était intéressant d'adhérer au satanisme. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont promis? Et dans les promesses faites, qu'est-ce qui était plaisant dans le satanisme? On m'a promis beaucoup d'argent, des bijoux, des voitures et tant d'autres choses. Les bijoux? L'argent et les habits. Les habits? Oui. Qui allez-vous les donner? Le groupe auquel j'avais adhéré. Dans le satanisme? Oui. Dites-nous, quelle a été votre première expérience dans le satanisme? Allez-y. Quelle a été votre première expérience après la drogue, le sexe et beaucoup d'autres choses? Dites-nous, quoi de plus? Je devais tuer un chien. Oui. Comment l'aviez-vous tué? Nous l'avions égorgé. Et après l'avoir égorgé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions bu son sang. D'accord. Vous aviez tous bu le sang. Vous tous. Alors, après que vous ayez bu le sang de ce chien, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Jésus est Seigneur. Jésus est le Sauveur. Il est le roi des rois. Vous aviez bu le sang d'un chien. Je sais que Satan vous empêche de parler maintenant, mais je le réprimande de vous libérer. Libérez votre bouche. Soyez libre au nom de Jésus. Quel autre sang aviez-vous bu? Nous buvions le sang des animaux, le sang humain et n'importe quel sang que nous pouvions trouver. N'importe quel sang que vous pouviez trouver? Oui. Comment aviez-vous trouvé le sang humain comme le mien? Nous cherchions les gens et souvent nous allions vers ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui n'ont pas assez de foi et d'espoir en Dieu. D'accord. Certaines personnes sont faibles. Oui. Alors vous les approchez. Oui. Et après? Nous prétendons vouloir leur parler et de là, nous les amenons avec nous. Où est-ce que vous les amenez? Nous les amenons à notre cachette. À votre? À notre cachette. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous faisons des cérémonies et rituels. Pendant que la personne est encore vivante? Oui. Et après? Après cela, nous le tuons. Comment? Nous tuons cette personne. D'accord. Dites-nous comment vous tuez cette personne. Nous les tuons par la magie noire. La magie noire? Oui. Alors, la personne est morte. Dites-nous, comment vous tirez le sang hors de cette personne? Avec nos bouches. Avec vos bouches. Qu'est-ce que vous gagnez après avoir sucé le sang de cette manière? Rien. Alors, comment vous sentez-vous? Fort? Nous avons le pouvoir sur cette personne.
Vous avez le pouvoir sur cette personne. Dites-nous, qu'est-ce que Satan dit après que vous avez fait cela? Il dit que nous lui faisons plaisir. Vous lui faites plaisir, d'accord. Comment aviez-vous appris de cette église? À travers un ami. Quel ami? Webster. Il fréquente ici? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'avait dit il y a un mois. Pourquoi n'étiez-vous pas venu un mois avant? Non, c'est ce vendredi passé. Pourquoi n'étiez-vous pas venu immédiatement? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous a-t-il dit? Il m'avait dit que Dieu pouvait m'aider. Avez-vous besoin de l'aide? Voulez-vous quitter le satanisme? Dites-nous, où sont vos parents? J'avais quitté la maison. Depuis combien de temps maintenant? Depuis 2 mois. 2 mois. Où est-ce qu'ils sont? À Krukosdob. Aviez-vous essayé de les contacter? Non. Ça vous arrange de les contacter maintenant? Pourquoi? Ils ne veulent plus de moi. Ils ne veulent plus de vous. Pourquoi? À cause de tout ce que je fais. Mais aujourd'hui, vous allez arrêter toutes ces choses. Allez-vous continuer ou vous arrêtez aujourd'hui? Je vais arrêter aujourd'hui. Comment vous sentez-vous maintenant que je m'adresse à vous? J'ai peur. La peur. Vous avez peur de quoi? De ce qui va arriver. À qui? À moi. Oui. Vous avez peur de ce qui va vous arriver, mais vous êtes sataniste, vous avez la puissance. N'aviez-vous pas dit que les gens auxquels vous faisiez ces choses étaient aussi faibles? Certains d'entre eux. Alors, à votre âge, combien de gens aviez-vous tué? Dans vos cérémonies où les gens mouraient, combien de gens aviez-vous tué, si vous pouvez vous rappeler? 7. 7 personnes que vous aviez tuées. Ils étaient à peu près de quel âge? À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. D'accord. Quelle a été la race, noir ou blanc? N'importe quelle race. N'importe quelle race, vous tuez. Après tuer, vous buvez le sang et vous laissez le cadavre par terre? Nous les découpons en morceaux et les enterrons quelque part afin que personne ne les trouve. Vous les découpez en quoi? En morceaux et nous les enterrons. Vous les enterrez pour que? Pour graver les preuves. C'est-à-dire, on ne peut plus retrouver là où la personne est, si elle est vivante ou morte. Tout votre groupe, vous vous aidez à enterrer le cadavre. Alors, comme vous quittez maintenant le satanisme, qu'est-ce qui va arriver quand vos amis vont l'apprendre? On nous avait dit que si vous abandonnez, on va vous tuer. C'est ça la menace qu'ils vous font. Et vous avez peur. Mais Jésus est roi. Il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Aucun autre pouvoir, au ciel, sur la terre, sous la terre, peut le surpasser. Vous le croyez? Pas vraiment. Pas vraiment? Croyez-vous que Jésus a le pouvoir sur tout? Voyons voir. Pourquoi ne croyez-vous pas que Jésus a tout le pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre? Parce que je n'ai jamais cru en Dieu. Mais vous aviez foi en Satan. Mais Satan vous a détruit de cette manière. Mais Jésus est celui qui vous a amené ici. Qui voulez-vous servir à partir de ce jour? Le Seigneur. Quel Seigneur? Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui est au ciel.
Jésus-Christ sera votre Seigneur aujourd'hui. Voulez-vous que Jésus-Christ soit votre Seigneur? Oui. Et votre Sauveur? Oui. Qu'il soit dans votre vie pour vous guider et vous diriger? Oui. Voici un bon exemple pour les pères et les mères. Prenez soin des enfants. Vous avez entendu comment elle a été introduite dans le satanisme. Les fêtes. Vos enfants ne doivent pas seulement partir à n'importe quelle fête. Il faut superviser les enfants. Si ses parents aidant avec cet enfant, elle allait retrouver dans ce que voici, à son âge, elle a passé 7 ans dans le satanisme. Combien plus fort si elle était dans les trentaines d'âge? Elle a 18 ans. Et dans ces 18 ans, 7 ans, elle a passé dans le satanisme. Quand on vous a parlé de cette église, qu'est-ce que vous avez eu en votre conscience? À l'instant où on m'avait dit ça, j'avais peur, j'étais confuse, je ne savais quoi faire. D'accord, qu'est-ce qu'on vous a dit? On m'avait dit que le satanisme est quelque chose qui doit être pratiqué du jour au jour. C'est vos amis? Oui. C'est ainsi que vous aviez adhéré? Oui. Mais dites-nous, comment pouvez-vous adhérer à quelque chose où on ne fait que tuer les gens? Comment? Est-ce que vous aviez vraiment ce plaisir? Non. Alors pourquoi vous buviez le sang humain? Le sang des chiens et d'autres animaux? Où est-ce que vous dormez maintenant? D'où est-ce que vous venez maintenant? De chez mon ami. Chez votre ami, qui est dans le satanisme. Il n'y est pas. Amené ici. Il est ici. Quel est son nom? Webster. Webster, venez ici. Webster. Comment vous sentez-vous quand vous me regardez? J'ai honte. De qui? De moi-même. Pourquoi? À cause de ce que j'ai fait. Toute erreur est corrigible. Et toute erreur est pardonnable. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché pareil. Vous devez seulement vous pardonner. Et voilà. Je ne peux pas me pardonner. J'ai tué trop. Je vous dis, vous devez vous pardonner. Même si vous ne le faites pas, pouvez-vous ramener les gens que vous avez tués à la vie? C'était des innocents que vous avez tués. Mais avez-vous le pouvoir de les ramener à la vie? Où est Webster? Je vous demande vraiment de vous pardonner. Choisissez de vous pardonner. Ces gens que vous aviez tués sont morts et c'est fini.
et n'allez plus tuer. Aviez-vous tué un chrétien? Oui. Comment l'avez-vous fait? Avant qu'il ne meure, qu'est-ce qu'il avait dit? Le chrétien que vous aviez tué, qu'est-ce qu'il avait dit avant qu'il ne meure? Il avait dit que Dieu va nous punir pour ce que vous faisiez, mais vous n'avez jamais cru que ça allait être vrai. Parmi les gens que vous tuez, n'y avait-il pas ceux qui suppliaient pour la grâce? Oui. Mais pourquoi ne pas avoir pitié d'eux? Pourquoi ne pas les laisser? Ils supplient pour la grâce. Ils n'ont rien fait de mal, et vous le savez. Ils insistaient disant, s'il vous plaît, ne nous tuez pas. Pourquoi ne pas avoir cette compassion? Parce qu'on s'en fout. Vous ne vous en faites pas. Combien pensez-vous, vraiment, combien pensez-vous sont comme vous dans cette ville? Beaucoup. Souvent jeunes comme vous. Oui. Que pouvez-vous pointer comme attraction des jeunes gens à s'adhérer dans le satanisme? Que pouvez-vous vraiment accuser? Nous pensions qu'en adhérant au satanisme, nous allions échapper à nos problèmes. D'accord. Vous pensiez que c'est la meilleure façon de s'échapper des problèmes. Oui. Après avoir adhéré, vous avez réalisé que c'était pire que les problèmes de la vie. Oui. Et vous ne pourriez plus sortir. Oui. Où est Webster? C'est un jeune homme. Où est-ce qu'il habite? À Orange Farm. C'est-à-dire, vous venez tout droit de Orange Farm. Durant combien de temps vivez-vous là-bas? Ça fait 2 mois. Avec lui? Oui. Comment étiez-vous rencontré avec Webster? Il travaillait pour Key West à Crookston et c'est là que nous nous sommes rencontrés. D'accord. Et après? Nous avions causé et il m'avait dit qu'il pouvait m'aider et qu'il avait un endroit où je pouvais habiter. Alors, il vous a pris. Alors, durant 2 mois, qu'est-ce que vous faisiez comme vous ne fréquentiez pas cette église alors que Webster venait ici? Il persistait toujours me disant que je dois venir, mais je refusais. Alors, pourquoi n'aviez-vous pas détruit Webster? Je n'avais pas le courage de venir à l'église. Non, pourquoi n'aviez-vous pas détruit Webster? Il est plus qu'un ami. Comment? Il est plus qu'un ami. Alors, qui est-il? Mon copain. C'est votre copain maintenant. C'est bon. C'est ainsi qu'ils veulent vous faire sortir du satanisme. Oui. Parce qu'une fois, nous nous sommes réveillés pendant la nuit et Satan était là. Dans la chambre. Qu'avez-vous dit à Satan? Je lui ai demandé que voulait-il. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il avait dit que je devais tuer mon copain. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? J'avais dit que je ne le ferais pas. Et après cela? Après cela, il est parti. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton copain? Parce qu'il est nulle part. Il est encore ici. Où est-ce qu'il est? Nulle part. Je vous dis, il a disparu. Êtes-vous content? Non. Comment allez-vous rentrer à Orange Farm? Je ne sais pas. Allez-vous trouver un autre copain? Non. Oui. C'est sa mission.
Et pour vous qui disiez que j'utilise la puissance satanique, comment Satan peut chasser Satan? Voilà, ceci doit vous confondre. Vous êtes maintenant confondu, vous qui avez le doute de Thomas. Vous demandez quelle puissance utilise-t-il? Voici Satan, et moi je suis du royaume de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est à mon côté. C'est là, c'est Satan. Vous qui doutez, disant quelle puissance utilise-t-il? Parce que certains d'entre vous viennent ici pour tester. Où est le copain? Regardez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Satan en personne. Et aussi, nous, peuples de la race noire, nous pensions que Satan a affaire seulement à notre race. Qu'en est-il de celle-là? Demandez à votre voisin. Satan va à tout celui qui l'invite. Il n'a pas besoin de différencier les races. J'ai fait un constat parmi les jeunes filles. Quand elles sont déçues avec leur copain noir, elles disent que c'est mieux de se marier à un blanc. Qui vous a dit que les blancs ne déçoivent pas? Demandez à votre voisin. Le divorce est partout, blanc comme noir, vrai ou faux. C'est soit vous vous aimez ou pas. Mais où est ce jeune homme? Vous, que lui avez-vous fait? Non, dites-moi, est-ce que cet homme est membre ici? Oui. Alors où est-il? Il m'avait dit qu'il pourrait aller à Rosebank. Il m'avait dit qu'il pourrait aller à Rosebank. Faire quoi? Je ne sais pas. Quoi faire à Rosebank? Il va vous retrouver ici? Oui, il va revenir. Je vais vous amener chez votre père aujourd'hui. Je dois le faire. Vous êtes encore très jeune pour faire fête. Vraiment très jeune. Vous m'écoutez? Vous êtes très jeune. Votre père émerge. Il pleure. Pour vous. Alors après la prière, vous me donnez le numéro de contact de votre père. Même aussi pour votre mère. Vous m'entendez? Ils viendront ici et je vais leur parler. Vous m'écoutez? Jésus-Christ vous aime. Est-ce que vos parents sont des chrétiens? Ils ne vont pas à l'église. Ils iront maintenant à travers vous, à travers ce qui est arrivé. Demande à Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Et sois mon Seigneur. Et sois mon Seigneur. Et le Sauveur. Et le Sauveur. De ma vie. De ma vie. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Je vais te servir. Je vais te servir. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. À faire. À faire. Avec Satan. Avec Satan. 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 Je t'ordonne. Je t'ordonne. De me relâcher. De me relâcher. Relâche-moi. Relâche mon cœur. Relâche ma conscience. Relâche ma conscience. Et libère mon âme. Et libère mon âme. Dans le nom de Jésus. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour tout. Pour tout. Les péchés. Les péchés. Et crimes. Et crimes. Que j'avais commis. Que j'avais commis. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Lave-moi. Dans ton sang. Dans ton sang. Tu es mort pour moi, Jésus. Tu es mort pour moi, Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Comme ton enfant. Comme ton enfant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. De m'avoir accepté. De m'avoir accepté. Tel que je suis. Tel que je suis. Fais de moi. Fais de moi.
Fais de moi, une nouvelle personne, dans ton royaume, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci. Amazing Grace. Nous allons chanter pour vous Amazing Grace. M'aimez-vous maintenant? Quand j'aurai fini avec celle-là, je vais vous libérer. Vous irez à la maison prendre un bain et aller au lit tôt. Vous ne dormiez pas. Elle ne dormait pas du tout. Viens ici, ma fille. Elle est venue ici avec son amie, mais apparemment, l'amie a disparu. Et voilà. Elle était dans le satanisme, mais je vous demande de prendre soin d'elle et de l'aimer beaucoup. Et aussi, contrôlez aussi ses déplacements. Je sais que vous êtes très bien avec elle, mais contrôlez ses déplacements. Oui, je le ferai. Et deuxièmement, pour le problème de la drogue, la soif n'est plus maintenant. Mais si elle doit rencontrer encore ses anciennes amies, elle va reprendre cette habitude. Alors pour un moment, ne la permettez pas de rencontrer ses anciennes amies, y compris celles qui l'ont amenée dans le satanisme. Est-ce que vous me le promettez? Oui, je promets. Je promets. Papa est ici pour vous amener à la maison. Et voilà, elle a des amis ici. Vous êtes libre de venir ici à n'importe quel moment. C'est chez vous. Ça va? Nous t'aimons beaucoup. Ne rentrez plus aux choses que vous faisiez autrefois. C'est fini. Voici un nouveau début dans votre vie. Vous aviez essayé d'arrêter ça, mais vous n'aviez pas pu. Maintenant, Dieu est au contrôle. Votre vie est contrôlée par Dieu. Même les désirs que vous aviez pour ces choses est parti. C'est fini. Vous ne pouvez que forcer ça parce que ça est encore dans votre conscience. Mais le désir pour la drogue, l'alcool et la cigarette n'y est plus. C'est enlevé. Voilà, Janine, prenez le numéro de contact et surveillez-la de ma part. J'aimerais qu'elle vienne le mercredi pour le service. D'accord, je veux qu'elle participe au service de mercredi. Ça va, revenez encore le mercredi. Maintenant, allez vous réjouir avec papa et prendre quelque chose à boire. Papa, voici votre fille que vous venez de retrouver ici. Merci. Merci beaucoup.
Merci. C'est ça le but de l'Église. Dans l'Église, on ne condamne pas. L'Église est là pour construire. L'Église est là pour faire que ceux qui sont perdus soient retrouvés. C'est pourquoi, dans ce ministère, personne n'a le droit de rire de quelqu'un. L'enfant de qui vous riez est la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un. S'il vous plaît, regardez maintenant. Le père a retrouvé sa fille. Chantons une chanson convenable pour cette occasion. Mettons-nous debout. Imaginez-vous si c'était votre fille ou votre fils qui vient d'être retrouvé par Dieu alors que vous l'aviez cherché partout. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi dois-je te laisser? Laissez-moi. Comment? Laissez-moi. Qu'est-ce que tu dis? Je vous ai dit que cette fille m'appartient. Elle m'appartient. Je vous ai dit hier qu'elle m'appartient. Elle t'appartient? Oui. Laissez-moi. Elle m'appartient aussi. Regarde, ne me pousse pas. Laissez-moi.
Comment peut-elle t'appartenir? Comment peut-elle t'appartenir? Je l'ai prise quand elle était encore jeune. Comment? Je l'ai prise quand elle était encore jeune. Mais comment l'avez-vous prise? C'est sa mère. Qu'est-ce que tu dis? C'est sa mère. Qu'est-ce que sa mère avait fait? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, parle. Qu'est-ce que sa mère avait fait? Je vais ordonner le feu sur toi. Dis-moi, qu'est-ce que sa mère avait fait? La marâtre avait donné cet enfant à cet esprit quand elle était encore jeune. Viens ici. Qu'est-ce qui était arrivé avec la marâtre? La marâtre avait donné cet enfant à cet esprit quand elle était encore jeune. Mais qu'est-ce qu'elle voulait en donnant cette fille? Elle ne voulait pas qu'elle puisse prospérer. C'est ce qu'elle voulait? Oui. Veux-tu dire qu'elle est venue te voir pour que cette fille ne prospère pas? Oui. Quel âge avait-elle? 3 ans. 3 ans? Oui. Où était sa mère? Les parents étaient séparés. Séparés? Alors c'est la marâtre qu'il avait sacrifiée? Oui. À l'âge de 3 ans? Oui. Dis-moi, quel autre âge as-tu fait à cette fille? À l'âge de 3 ans? Que lui as-tu fait quand elle avait 3 ans? Après qu'on ait dit qu'elle ne doit pas prospérer, quoi d'autre? Je l'ai liée. Je l'ai liée. Comment l'as-tu lié? Je suis forcé de parler ces langues. Qu'est-ce que tu disais? Si, je l'ai lié. Elle ne doit pas prospérer. Elle ne doit pas se marier. Elle est mariée à moi. Je suis son mari. Ah bon? Tu l'avais mariée à l'âge de 3 ans? Oui. Alors, qu'est-ce que tu faisais avec elle depuis l'âge de 3 ans? Et pendant ce temps, quel âge avais-tu? 46 ans. Comment? 46 ans. Tu avais 46 ans pendant qu'elle n'avait que 3 ans? Oui. Ça, c'est quel mariage? Tout de même, c'est spirituel. Alors, qu'as-tu fait à cette fille depuis l'âge de 3 ans? Je l'ai liée sérieusement. Sérieusement. Elle souffre beaucoup. Et tu le sais? Oui, je le sais. Mais si tu es mariée à elle, pourquoi la fais-tu souffrir? Ce mariage n'est pas basé sur l'amour. Cette fille ne mérite pas d'être aimée. Voilà pourquoi nous voulions qu'elle soit dans la prostitution. Les hommes qui prennent les prostituées ne les aiment pas, ils les utilisent. Et nous voulons qu'elle fasse ça. Êtes-vous ici comme prostituée? Voici votre leçon. Il n'y a plus d'autre. D'accord. Tu voulais qu'elle soit engagée comme une prostituée? Oui. Au même moment, elle est mariée à toi. Oui. N'es-tu pas jaloux? Je le suis. Voilà pourquoi je lui ai donné ces bébés. Des bébés spirituels? Oui, je le suis. Et je suis très, très furieux. Je suis fâché. Je suis fâché. Contre qui? Ces garçons zoulous. Je ne veux pas de ces garçons zoulous. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. Pas celui-là. Alors, qui veux-tu? Il serait mieux qu'elle se marie à une autre personne. Mais qui? Tu as dit qu'elle ne doit pas se marier. Qui doit la prendre en mariage? Il serait mieux qu'elle se marie à une autre personne, pas à ce garçon zoulou. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le garçon zoulou? Et la fille l'aime? C'est ça le problème. Venez ici. Elle l'aime. Ça n'a rien à faire avec un esprit maléfique. Viens ici. J'ai autre chose à faire. Tu n'es pas le seul esprit ici. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres esprits ici. Alors tu ne peux pas monopoliser le temps. Viens ici. Dans le nom de Jésus.
Tu n'as pas le droit de lier quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu as vu comment l'autre esprit était parti. Tu iras de la même manière. Oui, je le sais. Toi, esprit maléfique, pourquoi es-tu fier de lier les enfants d'autrui? C'est ça notre mission. Quelle est ta mission? Bloquer la prospérité. Alors ma mission est contraire à la tienne. Je le sais. Par la grâce de Dieu, la mienne, c'est ouvrir toute porte que tu as fermée. Je le sais. Je sais. Je sais. Je le sais très, très bien. Tu le sais. Oui. Alors, qui va gagner entre nous deux? C'est clair. Qui? C'est clair. Non, nous sommes à deux. Qui va gagner? Vous. Alors, il ne faut pas perdre mon temps. C'est bien. Du moins, l'esprit sait que sa fin est venue. Oui, nous le savons. Nous le savons. Qu'est-ce que vous savez? Nous savons que vous êtes un problème. Vous êtes un problème. Je suis un problème? Oui. Quel problème? Oui, un grand problème. C'est toi qui es un problème parce que tu lis la vie des gens. Vous nous dérangez. Vous nous dérangez trop. Trop. Cette fille n'est pas supposée être ici. Elle n'est pas supposée être ici. Mais qui dérange qui? Vous nous dérangez. Combien êtes-vous? Nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu dois partir. Où voudras-tu aller? Je vais te recommander. Je ne vais nulle part. Comment? Mais tu as dit que tu es perdant. Alors, comment un perdant peut insister à garder ce qu'il avait? Je ne sais pas comment votre Dieu really fait. Know. Je ne sais pas du tout. C'est vrai, je ne connais rien du tout. Et concernant ton maître que tu sers, comment travaille-t-il? Nous travaillons bien avec notre maître et nous payons quand nous tuons quelqu'un. Mais tu n'as rien comme tu es là. Tu es foutu ici. As-tu quelque chose? Voyez-vous comment les gens adhèrent au satanisme? On les promet beaucoup alors qu'on n'accomplit rien. C'est vraiment du tourment. Tout de même, tu dois partir. Tu dois partir. Où? Si elle se marie avec ce garçon Zulu, elle va amener la lumière dans la famille. À cause de ce mariage, elle va amener la lumière dans la famille. Je ne veux pas de ce garçon Zulu. Je ne veux pas de lui. Je ne te crois pas. Je suis occupé à aider quelqu'un autre. C'est ça votre femme? Oui. Ah!
Nous remercions Dieu. Merci. Voilà, j'ai fini là-bas. Je suis maintenant ici. Qu'est-ce que tu disais? Je n'avais rien entendu. Tu parlais quand je travaillais. Alors reprends ce que tu avais dit. Je disais que je ne veux pas de ces garçons. Parce que si elle se marie à ces garçons, ce mariage va apporter la lumière dans la famille. Et je ne veux pas de ça. Oui, c'est vrai, parce que ce petit Zoulou est chrétien. C'est exactement la raison pour laquelle je ne veux pas de lui. Non, ce n'est pas la fille qui dit ça. Viens ici. Tu dois accepter aujourd'hui que le Zoulou est en train de venir. Et toi, tu dois partir. Oui. Le Zoulou est en train de venir et tu dois partir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit d'abord discuter. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable dans le nom de Jésus. C'est clair? Va dire à toute votre équipe de satanistes et de puissances de ténèbres, dis-leur que ton jour est finalement venu. Ne leur cache pas. Dis-leur qui t'a chassé. Ils le savent. Ils le savent très bien. Ils savent que c'est vous. Qui savent? Ne cache pas. Dis-leur que l'homme que Jésus avait choisi nous a chassés. Je suis ici parce que Jésus m'a choisi. Ils savent que vous êtes Philippe Banda. Qui savent cela? Ils le savent tous. Philippe Banda est un être humain. Vous pouvez vous emparer de Philippe Banda, mais vous ne pouvez pas vous emparer de son appel. Alors parle-leur de mon appel. Tu m'écoutes? Oui. As-tu entendu? Quel est mon appel? Comme tu parles là, sache que ce n'est pas Philippe Banda, parce que je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est le nom que mes parents m'avaient donné, mais j'ai plutôt un autre que le père m'a donné. Lequel? Dis ce nom. Viens ici. Tu jures. Viens ici. Va dire à toutes tes parentés. Va dire à toute votre bande. Regardez ce vieil homme. Ne va pas là-bas accuser les autres, la sœur ou l'oncle, c'est moi, au nom de Jésus. C'est clair? C'est clair? Oui. Qu'est-ce qui est clair? Je m'en vais. Vas-tu revenir? Vas-tu prendre tous tes bébés spirituels? Oui. Nettoie son vagin. Ne laisse pas sa salle. D'accord. Nettoie ça et arrête de la faire saigner. Oui. C'est toi qui la faisais saigner. Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Prends avec toi la décharge que tu avais mis là-bas. Tout ce que tu avais amené, tu dois prendre ça au nom de Jésus. Tu dois reprendre ça au nom de Jésus. Si tu termines, tu dis, j'ai terminé, monsieur. Oui. Pourquoi oui? Maintenant, c'est dans la colonne vertébrale. Dis-moi quand tu auras fini de prendre tout. Rien ne doit rester. Et tu dois la déclarer bénie. Oui, oui. À quoi est-ce que vous dites oui? Vous devez la déclarer? Elle est bénie. Elle est bénie. D'accord, dans quelle façon? Ne touchez plus à ces bénédictions. Oui. C'est clair? Oui. Maintenant, bénis le Zoulou aussi. Tu dois le faire. Maintenant. C'est comme ça que les mariages ne marchent pas. Bénis le garçon Zoulou. Voyez-vous, il n'arrive pas.
tu dois le bénir. Je veux ordonner le feu. Dans le nom de Jésus. Bénis le garçon Zulu et son mariage, maintenant. Parce que tous genoux doivent fléchir au nom de... Et voilà, fléchis tes genoux. Au nom de... Au nom de... Fléchis. Dites à cet esprit maintenant de partir, vous les gens, dites-le. Il y a la confusion. Certains disent fléchis tes genoux, certains disent partez. Dans le nom de Jésus, encore. Du moins, ils ne vont pas seulement m'accuser, mais vous aussi. Alors, vivez dans la droiture. Si votre vie n'est pas correcte, comme vous les avez chassés, ils vous visiteront. Oui, ils vont vous demander pourquoi vous les avez chassés. Réveillez-vous. Quel est son nom? Prim Rose. Réveillez-vous. Vous, garçon Zulu, venez. Let them marry, O Lord. In Jesus. Et suivant la direction du Saint-Esprit, voilà, on peut dire que commencez à vous préparer. Parce que déjà, l'Esprit avait peur de ce garçon Zulu. Alors, allez-y. Voilà. Écrivez une lettre à ses parents, si vous voulez aller les voir. Et voici votre future femme. Et femme, voici votre futur mari.